Voilà, et barrière haïtienne ouverte, une façon pour capable arriver passer avec machine, tout le monde ça en ligne. Et c'est monde qui pourra prendre machine en République dominicaine. Monde qui gagne moto en dedans tout qui va le prendre, c'est dans l'optique ça qui fait que bah, voilà, ça qui n'a pas gardé là, et barrière République dominicaine dans l'île ouvrie. C'est juste pour haïtien qui gagne machine, qui gagne moto en République dominicaine, capable de prendre machine, prendre moto pour sortir avec elle dans port haïtien. Ça veut dire dans la partie pas haïtien. Ça veut dire qu'il y a ouvert partie pas haïtien tout. C'est juste pour permettre que machine sorte. Et puis après il a fermé et barrière là. C'est pour machine capable de sortir qui fait que barrière là l'ouvrit et je dis là. Vraiment, nous-mêmes nous là, et nous suivons comment et ça lui-même l'a déroulé pour nous capables d'informer au plus de comment la frontière là lui-même l'a déroulé et entre Haïti et Saint-Domingue. Voilà, et ça c'est machine, ça c'est barrière, c'est le maintenant. Et barrière, c'est le maintenant. Et ouvrir barrière juste pour machine avec moto qui a sorti, monde qui a des machines à moto capable de sortir. Voilà, et tout ça c'est machine qui est en République dominicaine. La machine qui est en République dominicaine, et cap entrée, Haïti met tout à l'heure, mais avance, avance. Tout ça, c'est la machine qui est en République dominicaine. Mais tout le monde est pour ça, on ne parle pas de la machine qui est en République dominicaine. Voilà. Tout ça, c'est la machine qui est en République dominicaine. Et météo a des possibilités pour entrer à la machine. La douane et la police polyfront déjà présents pour vérifier et comment ça y est. Toujours des gens qui ont quitté la République dominicaine et qui ont entré à Haïti volontairement. Qui ont entré à Haïti volontairement. Voilà. Cap entrer Haïti volontairement. Toujours des gens en République dominicaine qui a quitté. République dominicaine qui a entré Haïti. Tout le monde s'est déporté.
Voilà, amis internautes, nous toujours devant, nous toujours sur frontière là, et toujours gain déportation qu'a fait, toujours gain haïtien qu'a quitté République Dominicaine pour entrer la caillou, et par rapport avec traitement que autorité dominicaine a baillé, yo obligé quitter République Dominicaine pour entrer la caillou. Et Fondi n'a pas gardé et un groupe qui en ligne là, ça c'est moun et chauffeur moto qui gen moun qui prend marchandise en République Dominicaine et une façon pour capable prendre marchandise ça déposer dans moto pour capable aller ensemble avec eux. Fondi que manœuvre qu'a fait là haïtien ont été prudent et dominicain bat pour barrière pas nous ouvert et puis pour tout faire photo faire vidéo pour montrer le monde que frontière haïtienne li l'ouvri et ben haïtien tellement intelligent yo obligé à jouer pieds au mur là juste pour comment capable gérer question ça pour empêcher et dominicain j'ai une possibilité pour parler dans question ça mais on dit que nous-mêmes nous là on a suivre et comment ça lui-même et l'a déroulé et comment ça lui-même lui a déroulé et sous frontière là et Gimundi OK voilà c'est mon qui dit machine en dedans République Dominicaine et pour la machine pour capable se dire avec c'est un bagage qui vraiment et un problème terrible. C'est un problème. Petit, c'est de nous sortir? C'est de nous sortir? Voilà. C'est comme ça. Ça a l'air mieux. Ça, c'est mon qui a des machines, qui a des motos en République Dominicaine qui a fait, qui pourrait être capable d'entrer à le prendre. Évitez de prendre ma maille ça.
Okay. Parce que normalement, on va supposer là avec la professeur, avec les Tu parles avec nous, non? Voilà, ça c'est mon idée de retourner la caillou. Et presque chaque jour, et c'est presque chaque jour, et l'importation en fait, c'est presque chaque jour, et mon a retourné la caillou, il y a quitté la République dominicaine. Vraiment, il y a deux mouns qui ont retourné, quitté la République dominicaine pour venir revivre la caillou en Haïti. Il y a une suppression, et qui cause, ils sont obligés de retourner. Il y a une suppression, et qui fait qu'ils retournent les mains de Mounto. C'est avec volonté qu'ils ont décidé de quitter le pays et la République dominicaine pour retourner en Haïti. Comment c'est fait de manger? Il y a mal d'été haïtien pour que les peuples dans cabane ou pas dormir. Dans la cabane, c'est dans la radio, il va dormir. Ça va bon, il va vivre tout dans la caille. Vous sentez mal vite, vous rentrez dans la caille? Oui, oui, dans la caille. C'est que vous rentrez volontairement ou bien c'est à la caille? Non, pas retourné dans la caille. Est-ce que vous pouvez vous porter support dans le canal là? Oui, si bon Dieu. D'accord. Voilà. Voilà, madame. Merci. Madame, pour une fois, tu parles avec nous. La carrière, on parle avec moi, je m'en ai pas. Ah, bah, chérie. Pourquoi je m'en ai pas? Ouais. Comment ça a été, Jean-Pierre? On va retourner la caillou. On va retourner la caillou. Pour qui? Il y a des Dominicains qui vont deux semaines ensemble à l'hôtel Balsoumoué. Je cherche la caille à peine 3 fois ou 4 fois. Je suis toujours en contrôle, je ne suis pas en contrôle. Comment tu as tiré le bal? Oui, je tire le bal. Vous avez une discussion avec eux? Non, peut-être que je travaille avec l'ingénieur Hubert. L'ingénieur Campé, je dis que c'est moi qui peux l'ingénieur Campé, je suis en contrôle. Mais où tu as tiré le bal? Oui, je tire le bal sur moi. Je ne sais pas si tu as cherché le bal. Dans le moment là, je suis retiré comme je suis retiré. Je suis allé dans le pays. Là, nous devons mettre devant ma voix ça au côté. D'accord. Voilà. Babi, comment on est? Comment est-ce que c'est au choisi venu ou bien Kébé ou Kébé ou Kébé? Justement, moi, je choisi venu parce que je ne sais pas si je suis capable de passer misère devant moi, je ne sais pas si je suis capable. J'ai sauté comme une déjà une première fois. Pour le moment, je suis monté dans le bois. Pour le moment, je suis appelé Jean sur les réseaux sociaux. Il y a maltraité haïtien. Je vais décider de me retirer moi-même. Depuis qu'il y a des gens? Je me fais une trois ans, je vais passer plus malade. Mais est-ce que vous êtes légal sur le papier? Non, pas bah légal. Moi, je choisis de rentrer là-bas. Je choisis de rentrer là-bas. Est-ce que c'est là-bas plus à l'aise ou bien? Oui, là-bas, moi, je suis plus à l'aise parce que je suis pas de l'eau. Je rentre là-bas, je suis rentré, je suis pas de dominer l'âge. Là, où est-ce que tu es sur le terrain de l'année? Bon, je sais, moi, j'ai un jardin qui est déjà bien. J'ai un jardin qui est mal au jardin, mal au jardin pour 7 mois bientôt. Mais actuellement, beaucoup bon,
m'a décidé de passer misère, je dis juste pas pour venir. Est-ce que vraiment un point de départ qui travaille à CIA? Non, pas le travail. Il n'y a pas de travail cultivateur, il n'y a pas de travail de construction. Tout le travail dit au CIA, c'est ce qu'on fait. Et justement, tout a critiqué haïtien, tout a parlé mal contre haïtien, tout a demandé pour être tué haïtien. Moi, le plus meilleur possible, moi, tourner la caille. Mais qu'on a pendant que vous choisissez de tourner et Dominique qui n'a pas fait travailler la terre, est-ce que vous pensez vraiment que Jean Agriculture a toujours été comme ça? Il n'y a pas bien été comme ça, c'est moins stable, moins stable, c'est pas pour travailler. Très bien. Yes, merci beaucoup. Eh bien, merci. Madame, faut tu parles avec nous. Madame. Amis internautes, c'est comme ça et situation est présentée et sous frontière. En République dominicaine et Haïti, et comme dit, nous avons anti-gens par rapport à ça qui a passé là. Ça a été là, nous avons été élevés dans l'espace là. Est-ce qu'il y a un bagage qui a voulu vous? Non. Ah, pour Guilherme. Je m'en rappelle. Il va préguntar. Voilà, les amis et les autres, l'État ici aussi, et font tout. Et ça, c'est après un pile message qui vient sur les réseaux, et mais ils ont décidé pour les bus et sous frontière là, pour venir prendre Mounio, en raison pour Tigélé qui sous frontière à part. Rançonner Mounio, parce que quand il y a des gens qui perdent des marchés de Dieu, qui perdent tout à fait, qui perdent des pauvres, c'est par rapport avec Tigélé et les qui sont arrivés dans l'espace là. Et ils n'ont pas rajouté une machine, et les Tigélé ont rendu tout ça au bien, c'est ça qui contrôle. Ils ont découragé de l'État, mettez, et des responsables, mettez, ils sont capables de voyager.